femme Mika. Hey, un séjour très spécial. Je prends cette alliance. Je te le fais porter comme symbole de l'amour. Fidélité, respect, considération. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vais toujours t'accompagner. Azo sale Zamba lolo Azo sale Naipa na yo Apananga Moni sanga loboko na yo Santo yo, moni sanga loboko na Zamba lolo yo, azo sale Zamba kaba sangolue, azo sale Sale langa Yesu Salilanga Yesu Alléluia Yesu azana pour moi Tomba mana Jésus Kumba ma Tirobo Yesu na ningi na tatola Yesu Papa na ningi na temudi Sambango Kapena tato na bon sambe na yo Maswa bato Yoka bo senga nanga Zamba kabasa ye Yoka shije nanga ye Zamba lola ye Na ye na babasi nanga
rappel à Zambé, à Ouap, ce qui se passe au Congo. Yes, I'm a good man.
Premièrement, nous allons commencer par la présentation des futurs époux. Après cette présentation, l'officier de l'état civil va commenter un article concernant le code de la famille. Après cela, nous allons passer à l'étape des consentements, les échanges des anneaux, une photo souvenir avec l'officier de l'état civil. Et directement, on va libérer le couple pour se diriger au bureau de l'état civil, afin de signer l'acte de mariage. Sans plus tarder, je commence par la présentation. Je demande à monsieur Luemba Kwana Jérémy de s'élever. Bandeko, ça les a mouqués. Sifflez, vous vous êtes à la dérangement. Vous mettez en haut les bandes dans la carte, c'est un bon copé Milolo. Mais voyez la maman en haut. Il a bel et bien choisi la mère de mademoiselle Molaïli Atami Kalebeko également. Aujourd'hui, 22 janvier 2022, c'est sont nos témoins de s'élever, M. Mboli Kobeko. Vous avez choisi comme témoin de M. Luemba et Mme Poumon et Marie. Vous avez choisi comme témoin de Mlle Molaï. Applaudissez pour le témoin. Merci, Père de soi. Le parent de représentant des parents de M. Luemba. S'ils sont dans la salle, levez-vous, nous donc honorer. Monsieur Jérémy, le parent de mademoiselle Molaï. Oui.
mademoiselle, si j'ai une question à vous poser, si vous ne me répondez pas oui, je remets la parole à l'officier de l'état civil. Si vous me répondez pas non, on sursoit la cérémonie, on vous fait retourner à la maison. Enfin que M. Luemba Jérémy termine avec vous en ce qui concerne le mariage coutumier. Chers parents, avez-vous reçu la dot de votre fille Molaïni? Bonjour qui m'a libéré là. Vous avez autorisé officier Balissara, Balissara Ngo. Monsieur Luemba et mademoiselle Molaïni, officier de l'état civil, enfin de commenter un article concernant le corps de la famille. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Un célibataire, quand à tes ou à tes, voilà. Mais je vois quelques figures fermées. Non, 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 non. Célibataire, hein. Voilà, mesdames et messieurs, on est là pour un événement heureux. Événement civil, public et solennel. Le mariage civil est une institution officielle. Le code de la famille m'oblige, monsieur, qu'avant de sceller votre union, je dois vous instruire. Oui. L'instruction, c'est sur un ou deux articles, vous n'allez pas oublier. Très bien. Il y a notamment l'article 330. Celui-là même qui vous empêche de vous marier. Une fois votre union, c'est terminé, monsieur, terminé, mademoiselle. Il n'y a que l'amour qui pourra vous séparer. La commune que vous marie par ma personne, incompétente pour vous séparer. Les parents incompétents. Tout le monde est incompétent. Il n'y a que l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Je l'ai fait 300 ans, 200 ans. Voilà. Vous vous mariez pour quel but? Deux objectifs à ne pas oublier à partir d'aujourd'hui. Maman, pour vous, ça n'a pas objectif de mariage. Les animés balais. Le premier objectif, vous vous mariez pour partager votre vie commune. Vie de chaque jour, de chaque minute. Ça, c'est un. Partager votre vie, partager votre destinée. Deuxième objectif à ne pas oublier. Vous vous mariez pour perpétuer votre espèce. C'est-à-dire avoir des enfants. Maman, combien? Il y a déjà un enfant. Comme il y a une affaire, j'ai vu que pour le père. Hein? 3 ans. Oh! Bon, mettez la main, ma boco. Attention. Il vient de me dire qu'ils ont 3 enfants. Monsieur, à la tête de ce. Donc, après la cérémonie, ces 3 enfants deviennent enfants légitimes. Et ils ont droit à votre héritage. Si, si. Répétez ça, enfants légitimes. Enfants légitimes. Ils ont droit à votre héritage. Dans la gestion de votre foyer, monsieur, n'oubliez pas l'article 444. Que dit l'article 444? Les époux se doivent mutuellement fidélis. Non, c'est plutôt le mari et le chef du ménage. Non, papa, oui. Vous êtes chef de votre famille. Et quel est votre rôle? Protection. C'est ça. Yo, maman, quel est votre rôle dans le foyer? Protection de votre mari. Protégez votre mari sans condition. Ne le laissez pas sortir de la maison pour aller au service à sa femme. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas une protection. Ah, vous aussi, devez le protéger votre épouse. Injurier votre épouse publiquement, ce n'est pas une chose. La taper publiquement, en tout cas, ce n'est pas une chose. S'il y a problème, entrez dans la chambre et donnez-vous conseil. Enfin, je termine par l'article 459. Que dit l'article 459? Les époux se doivent mutuellement fidélité. Tout le monde, fidélité. Fidélité. Respect. Respect. Affection. Affection. Considération. Considération. Ayoki. De tout cela, j'insiste sur la fidélité parce que le contraire de la fidélité qui est l'infidélité est une cause de. Bonjour Boya. Boya, vous libérez les balades. Soyez fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort. Bon attendeur. Salut. Et donc, passons à l'étape de conférence.
consentement, je demande à Monsieur Luemba Bwana Jérémy de s'élever. Regardez-vous, tenez-vous main dans la main. Respect à YouTube, hein. Madame Marie, l'officier de l'état civil, s'il vous plaît. Vous répondez par oui, mais bon ton air. Vous dites oui et puis au top on y met droit. Si vous répondez par non, vous nous dérangez là derrière. L'officier de l'état civil va vous poser une petite question à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. Si vous répondez par oui, mettez droit dans l'air. Vous dites oui et puis vous levez la main droite. Si vous répondez par non, restez tel que vous êtes collé, nous allons comprendre et interpréter que vous êtes là. Ok. Mesdames et messieurs, vous et moi, allons mettre fin au célibat de monsieur Luemba et de mademoiselle Olaï. Monsieur Luemba, au nom de la loi. Monsieur Luemba, au nom de la loi. Monsieur Luemba. Luemba Bwana. Monsieur Luemba. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime mademoiselle Molaï ici présente. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui. Mademoiselle Molaïli, consentez-vous à prendre pour épouse et pour légitime M. Luemba ici présent. Vous avez entendu? Oligo, monsieur Oligo, quel est votre consentement pour ce mariage? Vous acceptez le mariage, c'est oui. La main à l'aide qu'on vous voit là. Oui. Ouais. Enfin, madame, tout le monde, quel est votre consentement pour ce mariage? Vous acceptez le mariage? Enfin, au nom de la loi, mesdames et messieurs, monsieur Luemba, mademoiselle Molaï. Je prends acte de votre consentement et je vous déclare unis par le mariage. Jusqu'à la fin. Maman Bamindele. Maman Mikaé. Ma femme Mika. En ce jour très spécial, je prends cette alliance. Je te fais porter comme symbole de l'amour, fidélité, respect, considération, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te promets la fidélité, je te promets le respect, je vais toujours t'accompagner jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je vous en prie,
je m'appelle Mika. Les alliances aux célibataires qui sont là-bas, ils sont nombreux. J'invite les couples et leurs témoins dans nos bureaux de l'état civil signés l'acte de mariage, la famille également accompagnée les couples. Mesdames et messieurs, ceci étant la séance publique de séjour et les faits. Bonne fête à tout le monde. Merci. Je m'appelle Mikaël. Je m'appelle Madame Mikaël. Je m'appelle Madame Mika. Allô, Nina. Thank you.
Azosale Zambalolo Azosale Naipa na yo Apananga Moni sanga loboko na yo Naipa na yo
mosantu yo monisanga loboko na samba lolo yo azosale azosale samba kabasangolwe azosale azosale salila nga Yesu Yesu Yo como se manda, se va a cabezar.